Ah, suspense les gars. Oh le noir, yes. Ouais, j'ai gagné 100 000 jetons. Oh yes les potes. Allez, on se casse. Mais ouais, il y a presque une chance sur deux en noir ou rouge. Hein. Eh ben, on va tout récolter en argent. Et on a re 230 000, les gars. Incredible. Il y a une bounty ici, mais il a l'air de faire du hors-piste. C'est peut-être une MK2. Vaut mieux peut-être pas l'attaquer, lol. Tiens, on va passer à l'agence de Franklin. Voir si je peux pas me faire un petit 70 000, histoire de me faire un bon 300 000. Olé, olé, olé. Un Boeing. Ah, ça y est, il y en a qui commencent à jouer la guerre commerciale. Ouais, c'est un peu trop tard, les potes. À mon avis, elle va pas tarder à se terminer. Oh, trop stylé. Alors. T'es con. Putain, j'espère que j'ai une bonne mission. Allez, un truc à 70 000. Même le laboratoire Human à 70 000, je le fais. Allez. Que la force soit avec moi. Alors, récupération d'objets, 62 000. Oh, bah, récupération d'objets, spécialiste plus 62 000. Hein. Allez, j'ai de la chance. Yes. Normalement, j'ai des encas, j'ai pas besoin de retourner là-haut. Hop. Alors, rejoignez le Vanilla Unicorn. Ok, impeccable. Ah, tu sais quoi, quand tu te fais bien éclater la gueule par une MK2 ou par un cancer, tu vois. Et après, quand tu tombes sur une session plus chill, t'es là, tu kiffes le jeu, tu dis, ouais, le jeu, il est trop bien, quoi. Quand personne te casse les couilles. Bon, on la connaît, celle-là, hein. Putain, y'a une bounty qui passe juste là, ça me donne envie de la manger, quoi. Allez, on nettoie la zone. Là, y'en a toujours un qui se met là. Voilà. Localiser le coffre-fort. Il est là. Le papier. Voilà, le papier, il doit être là-bas. Non, il est pas là. Il est pas là. Merde, ah, il est là. Allez, on ouvre le coffre. Oh non, merde, je vais mourir. J'aurais pas dû ouvrir le coffre. Ah, ils vont me finir. Ah ouais, mais l'animation, elle dure 3 ans aussi. Là, les encas, il les faut absolument pour l'émission de Franklin. Allez, on se casse. Eh ouais, donc j'ai toujours ce fameux signal détectable, donc on peut me chourer le truc, quoi. Comment ça, ma moto est par terre? Qui l'a fait tomber, lol? Ah ouais, c'est vrai, ils pardonnent pas les PNJ sur cette mission. Bah ouais, spécialiste plus. C'est des bots en mode difficile, quoi. Oh, ma graisse... Oh, allez, il a failli me faucher, lui! Oh, le fou! Oh, allez, t'es complètement malade dans ta tête, toi! Un peu de première personne. Olé, olé, olé. Ah merde, on est arrivé là. Je me fais toujours avoir. Voilà les potes. Et on est remonté aux 300 000. Voilà Franklin, j'ai même pas eu le temps de dire bonjour. Ah bah voilà, voilà c'est fait. Voilà, on a presque les 300 000 dollars les potes. Ça, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, vous savez quoi, moi je vais aller boire un verre au vanilla et n'oubliez pas les potes. On s'appelle, hein. La bise, hein. Yo les gars, yo, je parle sérieux, je suis dans le futur moi avec mes lunettes. Bon, j'espère que vous allez bien les petits potes. C'est la galère là, on a plus de sous. C'est... Bon, on est dans une session full, je vais essayer de me mettre en secure reserve tout de suite. Yes. Alors sortons de là. Oh la moto, toujours un plaisir de la retrouver, comment elle est belle. On dirait pas, ça fait pas penser un peu à Watch Dogs là. Ouais, sauf que Watch Dogs, le jeu, il est pas ouf, quoi. Enfin, il est bien. Enfin, chacun son avis, quoi. Voilà. Bon, moi, c'est la merde. Hein. C'est la merde. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller chez Franklin. Parce que j'ai pas d'idée de quoi d'autre, là, pour le moment. De quoi faire d'autre, je veux dire. Oh, pleine balle! Je suis le Jean-Kevin du futur, je suis là pour faire régner la loi dans Los Santos. Alors, j'adore ma tenue. Là, c'est bon, ma tenue, les lunettes et tout. Trop content. Faudra que j'y joue au casino tout à l'heure, mais on ira tout à l'heure. Parce que là, je sens qu'il va me dire, ouais, c'est pas le moment, vous êtes venu trop tôt. Voilà, on est garé. Toujours avant, hein, avant de rentrer. Celle-là, elle m'insulte toujours de la même manière. Voilà. Voilà. On peut rentrer. Check encas. Est-ce que j'ai des encas? Ouais, j'ai des encas.
Impeccable. Ah ouais, faut que je rebosse pour ma coque. On a dit la coque, c'est intéressant de... J'irai chercher une petite matière première tout à l'heure, là. Pour le fun, là. Et on fera que des ventes, un bâton. C'est 160 000 la vente dans une session pleine. C'est totalement acceptable. Et puis ça t'évite de galérer avec 3 camions. Je vais faire ça. Et là, on a quoi? On n'a pas de spécialiste plus, putain. Oh là là. Putain, bon... Non, bah j'ai pas envie, hein. On va faire autre chose. Moi, je veux du spécialiste plus ou rien, quoi. Ça me fatigue, là. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Il y a un mode rivalité qu'on voit explosif, je crois. Il est x2,5, mais... je sais pas, j'ai pas trop le mood à faire des activités en ce moment. Ça rapporte pas assez d'argent, ça me fait chier. Ça m'emmerde. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oh bah, tuer le plus grand nombre de joueurs avec un tir en pleine tête. Oh, il a de la chance, lui. Il a des pop à l'instant même. Je vais faire le défi, je vais prendre un gars. Je vais lui taper dessus. Tir en pleine tête. Je vais y arriver. C'est pas contre toi, frérot. C'est pas contre toi. Respawn. Et un tir en pleine tête. Ah, il va dire, mais pourquoi... Oh là là. C'est toi qui as fait ça. Enermous, c'est toi qui fais ça, mon pote. C'est toi qui as fait ça. Fils de pute, va. Je vais venir t'enculer, hein. Puis je vais aller l'enculer, Enermous, là. Comme par hasard, je le tue, je me fais péter derrière. Ok, mon pote. Fils de pute, va. Ça y est, ça commence déjà à m'énerver, là. Ah, je vais l'enchaîner là, je m'en bats les couilles. On va vérifier s'il a un mode menu. Si je l'enchaîne et qu'il continue de me péter, je vais te traquer, petite merde. T'es où, Enermous? Ah ouais, ça peut pas commencer comme ça, les gars. Il y a des jours où je suis vénère, là je suis vénère. Non, mais sérieux, j'arrive sur GTA Online, je me fais péter par un modeur, c'est quoi ça? Attends, mais il y a le défi en même temps. Headshot, non? J'ai pas mis un headshot? Ah si, j'ai mis un headshot. Oh là là. On s'en prend qu'à moi là. Je dois tenir 35 secondes dans cette session. J'espère qu'il va pas me faire crash. 10 secondes les gars. Dans 10 secondes je prends mes gains et je change de session. $7500. Je prends mes gains, je me casse. Allez. Voilà les potes, de retour. Session mi-remplie. Bah c'est parfait. L'accompagné dehors, c'est lui. Non, c'est... Attendez, les gars, faut que j'accompagne un gars dehors, là. Ça va remettre ma pop à fond. Poussez-vous, là. Putain, faut avoir les nerfs solides pour jouer à GTA Online sur PC, ma parole. Allez, je te vire. Ça me fait un bonus de $10 000. Oh non. Bon, j'ai 50 000 dans le coffre. Je vais pas les sortir tout de suite. Rockstar, can you do something, please? Can you do something? Rockstar, what are you doing? Seriously. Look this fucking game. Look this shit. Oh my god. Nique bien ta mère, hein. Voilà. Dans une session à moitié vide, le mec il fait sa pub en plus. Espèce de gros débile, va. Mais plus personne veut acheter vos charcards sur vos sites de merde en plus. Les sites modés là. Les sites de tricheurs. Laissez tomber là. Personne n'achète des charcards sur PC. Il y a trop de modeurs. Ils sont trop cons, les gens. Contrat de l'Union Depository. Oh là là. On m'emmerde, le téléphone qui sonne. Ah, c'est une journée de merde aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on veut m'enculer par tous les trous, sérieux. Ok, j'ai une voiture à réviser. Peinture, mauve shafter. Oh, elle est jolie comme ça, hein. Amélioration. Le turbo. Transmission de rue. Suspension rabaissée. Allez, on va le livrer. Propre, hein, à part le capot carbone, elle est propre, la Sentinelle. Ouais, elle est bien belle, hein. Bah, les couleurs de ma moto, hein, un peu, hein. Ouais, elle est vieux, mais on dirait qu'elle est nacrée. Oh merde. Oh mince, et ben voilà. Et le bus, il y a trop de trafic ici. Putain, j'étais à fond dans mon petit défi headshot. Ils m'ont coupé la... Eh ben voilà, ils m'ont coupé l'envie de bien conduire aussi, tu vois. Ah ouais. J'étais tranquille, j'étais peinard. Allez, prends ta voiture. C'est la Sentinelle, allez, prends-la dans ton cul, voilà, et t'es content, enfin, allez, on fait un fer conclu. Qu'est-ce qu'il y a, t'es pas contente, wesh, t'as qu'à la ramener toi-même aussi, t'es pas contente, wesh. Voilà, plus 25 000, enfin 23 000, 22 700, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ah oui, j'avais dit que... Oh, ma double T encore détruite à cause du modeur. Non, mais c'est insupportable, quoi. C'est bizarre, c'est qu'il s'est attaqué qu'à moi. Alors, on va aller dans la coque.
J'avais envie d'agresser les gens à droite là, mais je vais pas le faire parce qu'après ils vont peut-être m'embêter pendant mon ravitaillement de la boîte de coke. Et ouais, faut que je mette deux bâtons. Faut que je rentre deux bâtons. Ça devrait le faire. Réapprovisionnement, voler des matières premières. Rejoignez Canyon Drive. Ok. Banam Canyon Drive. Let's go. Pourquoi j'ai un gilet pare-balles? Ah bah attendez. Là j'étais en good mode à cause du modeur. Voilà, c'est bon. Là on peut jouer. On peut couper là. Vas-y, on coupe. Allez. Oui, oui, oui. Oui, mon gars. C'est ça qui est cool en moto. C'est que ça passe partout. Nous voilà, nous arrivâmes. Voler les matières premières. Ah ouais, et... Ok. Oh, je suis mort. Ah, ils se mettent trop bien à couvert, les enfoirés. Mais puis la merde, la M16, regarde, je suis à 30 mètres, frérot, je suis à 30 mètres, elle est... Les balles, elles s'éparpillent, quoi. La dispersion, ça s'appelle la dispersion des balles qui est trop forte. On est loin des M16 qui, dans les Battlefield, les M16, au coup par coup, tu pouvais viser à 300 mètres, quoi. Là, c'est vraiment... À bout portant, t'y arrives pas, bah, je change d'arme, je vais jouer au sniper. Regarde comment ils se mettent bien couverts. C'est des bons PNJ, hein. Ah ouais, recharger. Non, voilà. Allez, c'est quoi la matière? C'est un camion. Donc je vais avoir deux barres. Oh là là, il se cache n'importe où. Bon, vas-y, on se casse. Ah, j'ai un état, j'ai une barre d'état. Ok, ça commence mal. Ça devrait faire l'affaire. Je pense que je mets deux bâtons et j'attends, je vois si ça c'est cool. Ce que je veux, c'est vendre avant le bâton 0,3 là. On va dire vendre à un bâton, c'est pas mal. Donc pas besoin de mettre trop de matières premières d'un coup, parce qu'après je vais être obligé de surveiller toutes les deux minutes. Ça va m'énerver. Puis en plus c'est gratuit, hein. Là je paye pas les matières premières. What? Je pensais que c'était des PNJ. Enfin pas des brigands, quoi. Oh là 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 là. Et merde. Ah non, ça passe. Je peux couper là? Non, je vais éviter de couper là. Là je peux couper. Allez. C'est bon, on est presque arrivé, les potes. Heureusement qu'ils te mettent pas de limite de vitesse, c'est genre... Ouais, la cargaison est piégée, surtout ne pas dépasser 30 km/h. Ah ça, je déteste les missions comme ça. Là ça va. T'as juste à bien conduire. Et voilà le travail. Alors, on verra ce que ça fait de bâtons, hein. Et ouais, au passage, t'arrives là, t'achètes un max d'Anka. Wesh, mes IK, ils sont gratuits ailleurs. Pourquoi tu les payes? Je vais tout vous expliquer. 5$ la météorite, quoi. Voilà, et après... Au nom de la loi! Rends-moi mon argent! Dépêche-toi, parce que j'ai pas de patience aujourd'hui. Grosse merde que tu y vas. Allez, combien? Ouais, c'est toujours ça. Oh, j'ai pas d'étoile, les gars. Réaliser la plus longue roue avant en moto. J'ai pas d'étoile. Incroyable. Voilà, mais il doit falloir avoir une moto spéciale pour ça, non? De toute façon, ça rapporte que dalle, ces trucs. Donc, autant juste essayer de se classer un petit peu. Ils doivent avoir des accoutchous, c'est pas possible. Comment tu fais pour... Alors, attends. On va essayer de faire 60 mètres. Non, elle retouche pendant le trajet. Ça me casse les couilles. Alors. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Mission de club. C'est quoi ça? Troupeau de motos, j'ai jamais fait ça. J'ai fait démarrer. Je lui propose un affrontement. On verra bien. Bon, il a refusé, hein. Mais j'ai l'impression que j'ai pas les flics, alors on va en profiter. Soit. Police. Police des contrôleurs fiscaux, je viens pour vérifier si tout est bien dans les caisses. Voilà, voilà, bah ça a l'air pas mal, hein, on repart avec l'argent. Allez, salut. 3 étoiles. Mounou va aller au casino. Ah voilà, j'ai eu 4000$ en plus, et ben, c'est toujours ça. Mais je crois que c'est trop tôt pour le casino. Bon, j'appelle Lester. Non, le casino, ça va être trop tôt. Je le sens. On parie combien? Ah, une Kuruma blindée.
Trop stylé.